Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartale, et la dernière fois on s'était encore pris une raclée. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. On est sur une mauvaise série, mais il faut qu'on se reprenne, parce qu'il faut qu'on génère de l'argent. Parce que sinon on va avoir des problèmes de paiement. Alors, de là, fallait qu'on parte par où? Si ça passe par là en haut. On peut tomber sur notre prime. En fait, l'une des primes les plus faciles à faire va être les rats. Bah ouais, mais tout le monde est blessé en plus. Je veux dire, ça ferait de la nourriture. Ouh. Et attendez, là, il y a de la stratégie. J'essaie de dompter deux ou trois bestioles. Pour aller affronter les fous furieux, leur balancer toutes mes bestioles sur la tête, et tant pis si elles meurent. Et y a un truc là. Il y a un truc. Surtout que maintenant on peut faire des colliers pour les contrôler. Moi je dis, il y a un début de quelque chose. Hein. Faut que je prenne les dominantes. 146 PV. Dame les sacs à PV. Il faut que je prenne les dominantes. Alors attention, tout le monde est blessé. Ça va être du PV réduit, du dégâts x12. On va faire gaffe. Hein. Donc là, j'ai une lée. Il me faut moi. Moi, pouf, dans la lée. La lée, il va falloir la taper. Il me faudrait. Du support avec des lanciers peut-être. Du support double lancier. Là, je vais avoir Joren qui va me couvrir, mais qui a 0 PV, qui va se faire défoncer très vite. Oh. Peut-être pas le passer ce combat. Hein. Il faut que je crée un embouteillage. J'ai Rao. Est-ce que t'as quoi toi, Rao? Dégâts subis doublés. Voilà. Déjà, ça va bien partir. Lorar. Constitution réduite de moitié. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. On est bon, on est bon. Alors, qui joue en premier? Toi, c'est pas grave. Toi, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas me venir dessus. Moi, tout de suite, je vais sur l'allée, je l'attaque. Ici, je vais support. Ah ben non, parce que je vais la désengager si je support. Et oui, il y a ça aussi avec les lanciers qui est un peu agaçant. Il me faudrait une lance qui désengage pas. Il me faudrait une lance qui ne désengage pas. Eh hey, mais lui je l'ai joué, donc c'est trop tard. Vais le mettre là. Bon. Je peux aller l'engage avec Joren, cela dit. Et je vais subir un coup tout de suite, donc on va se mettre en protection parce que Joren n'a pas de PV. Vette qui se fait attaquer, c'était prévu. D'ailleurs, Vette. Oh là, mais ils ont trop de PV ces sangliers. Donc, ce tour-là, tu vas passer. Lorar, tu vas aller engager le sanglier là-bas parce que toi, ça devrait aller, t'as quand même beaucoup d'armure. On va se mettre en défense, hein. On va la jouer très défensif. Je veux capturer les deux laits. Ça va être ça l'objectif. Là,
tu vas te mettre là. Pourquoi? Parce que l'allée a déjà joué, donc elle rejouera pas. Donc tu peux la pousser. Et par contre, tu vas interdire celui-là de t'arriver dessus. Toi, tu pourrais continuer d'en mettre une ici. Voilà. L'allée va être bien entamée. Et non, il y a peu de chances que le reste vienne dessus. Toi, tu joues pas. Rao, tu vas venir là-bas et tu vas te faire ce sanglier. Toi, tout le monde est engagé. Toi, tu peux venir essayer de tuer celui-là. Bon, tant pis, on va claquer nos points, mais... Voilà, s'il pouvait jouer le moins possible, ça nous arrangerait énormément. Toi, tu vas venir là-bas, là, et... Ouais, tu vas engager ça et tu vas mettre... Voilà. Là, il faut pas faire d'erreur. On a déjà eu un prisonnier, on a eu un mort. Non, faut pas faire d'erreur. Notre bande ne s'en remettrait pas. Oh, l'allée va jouer là, là. Bon, mais il faut y aller. Hein. Ok, c'est encaissé. C'est encaissé, c'est capturable ou ce n'est pas capturable? 71%? Allez. Ok, on a tenté le coup, c'est passé. On finit là pour générer un point. Tu m'arranges pas toi là? Ça ne m'arrange pas du tout ce qu'il a fait, lui. Là, on peut faire ça. Lui, il va jouer dans un petit moment. Mais je peux me décaler là. Pour faire ça, parce que lui, il ne jouera pas. Et là, je me laisse une place pour venir là. Et engage lui. Et on va tous se booster. On a un archer. Un archer qui pourrait faire quoi? Je ne sais pas là-bas. Là-bas on pourrait faire quoi? 31 PV, ça s'achève ça. Oh, je vais pas gâcher un point pour ça. Ah, ça m'embête de... Bon, je vais y aller comme ça. Ça m'embête d'avoir gâché un personnage pour l'achever. Bon, jusque là, ça passe. Voilà, ça c'est bon. Le combat s'est pas trop mal déroulé. Ça aurait été très technique, mais ça va. On a réussi à s'en sortir. Ok, la foudre est tombée. 43, je lui ferai... Je lui ferai potentiellement 26 au maximum, mais il subira forcément un critique. Voilà.
Et il pourrait venir là, parce que je vais sûrement me faire charger comme ça. Voilà, donc l'allée, il faut la capturer aussi. Il faut la capturer aussi. Donc là, il y a lui qui va me gêner. 18 points de vie. 15 à 19. 9 à 11. Bon, ça se tente, hein. 19, parfait. Tu vas venir te mettre là, au cas où. Lui qui va me gêner, donc là il faut absolument que je me désengage. Et tu te mets un petit peu en renfort derrière. Toi tu viens et du coup t'engages le nouveau. Ça passe. Il y en a quelques-uns qui sont pas encore engagés, dont lui. Je peux me permettre d'engager tout de suite et je peux me permettre de lui en mettre une supplémentaire. Je sais pas s'il est assez dans le cercle pour mourir. Toi, t'es déjà occupé de toute façon. Toi, si tu venais là. C'était un pari, hein, je pouvais me toucher. Mais j'ai voulu faire le pari. Toi. Tu peux venir là. Là, tu verrais son arrière. Voilà, ça c'est réglé. Toi, malheureusement, bah t'as perdu un tour, donc t'es un peu trop loin. Ouf, les deux. Parfait. Donc il faut que je capture l'allée. Donc déjà, premier truc à faire, c'est de l'engager. Deuxième truc à faire... Ça va être de potentiellement venir se mettre ici. Voilà, pour continuer de mettre un coup. Cudding peut venir ici. Voilà. Et toi tu viens là, et je pense que tu tentes le coup, 71% encore. C'est capturé. Et ici, Eowyn, tu peux faire le tour et m'achever ce cochon. Peut-être pas, ça. Si, c'est bon. Ok. Ce fut compliqué. Mais... Il y a de l'idée. On peut user nos trucs pour réparer. On peut tout prendre. Quoique j'avais la ville juste à côté. C'était un peu bête de ma part. Et sauf que là, tout le monde est blessé. Faut qu'on aille en ville. Ah oui, mais il n'y a pas de soigneur ici. Bon. Donc on va ranger. Donc là, on va avoir. Coche 3 et tac, non c'était là, coche 4, tout à fait. Alors malheureusement vous, on vous a engagé pour mourir, je suis désolé, mais c'est vrai comme ça. Chaque fois que cette unité subit un coup critique, elle gagne riposte. Non, dégâts subis réduits, oui. Cette unité peut être assignée au feu de camp. Sérieux? Transport augmenté de 20. Ah ouais, mais les cochons, ils transportent tellement, c'est vrai.
Tu vas gagner de la constite, tu vas gagner de la constite, tu vas gagner de la force, tu vas gagner du mouvement. Tu vas gagner. Est-ce que je te mettrais pas à 10 de mouvement pour être sûr? Non, tu vas gagner de la force. Voilà, on a un cochon à 118 PV. Tu vas gagner la force, tu vas gagner la constite, tu vas gagner ouf, double force, tu vas gagner double constite. Oh, double mouvement, oui, ça, je dis pas non. Tu vas prendre bien évidemment la peau épaisse aussi et tu vas prendre transport. Voilà, comme ça, vous me permettez de transporter. Du coup, en fait, on va pas avoir envie que vous mouriez. Comment on craft le... C'est quoi? C'était du bricolage? Collier bardé de lard. Il me faut du gibier. Ah. J'ai pas de gibier. C'est dommage. Parce que du coup, là, ça nous permettrait de le contrôler. Sinon, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Dégâts de tir, non. Accessoires d'animal, accessoires de ceinture. Accessoires d'animal pour transport plus 10, oui, mais non. Enfin, si, mais non. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Regardez tous les trucs qu'il y a encore pour le campement. On peut tellement l'améliorer. Il faut tellement que je trouve où c'est tout ça. L'enclume, non. Non, tout là, non, pour l'instant. Ok, est-ce qu'on peut cuisiner? Est-ce qu'on peut cuisiner du porc grillé, s'il vous plaît? Ok, il est compagnon. Voilà, on n'avait pas une recette en stock? Non, on n'avait pas de recette en stock. Bon. C'est qu'on a un peu beaucoup de monde de blessés. Hop, on va pouvoir se faire un peu plus de viande là. Est-ce qu'on n'irait pas le prêtre? Tu sais pas guérir les blessures? Non. On peut pas nous soigner un peu? En fait, ça m'embête d'aller faire de la prime en étant à moitié cassé. Hein. Tant pis, on va par là, mais bon. D'ici, je suis où là? Ah, je suis pas allé plus à l'ouest, mais c'est peut-être le bord de map, cela dit. On va vérifier ça tout de suite. C'est ça, je suis sur le bord de map. Donc pour l'instant. Là, on est un peu coincé. On doit les combattre, eux, ou... Ah, est-ce que c'est eux, les nouvelles recrues, qui étaient partis et à qui on doit parler? Les compagnons nous ont demandé de nous entraîner dans la montagne en combattant des loups. Mais ils ne nous ont donné aucun remède. Nous nous retrouvons à traîner nos blessés à travers toute la province, et comme si cela ne suffisait pas, nous commençons à manquer de vivres. Si vous avez quelques remèdes à nous offrir, ou un peu de nourriture pour nous soutenir, nous aurons une chance d'arriver à Marheim en vie. Alors, les remèdes, non. Par contre, de la viande séchée, autant que tu veux. Formidable. Nous devrions pouvoir tenir avec ces vivres. Merci beaucoup, mercenaires. On est terminé la mission d'aide. Ah, bah la mission d'aide, ça va, c'est pas du combat. D'accord, donc il y a des missions qui sont quand même soft à faire. Pas ça que je voulais, c'était ça. Il y avait une mine là. Ah, je pourrais redescendre sur la mine et peut-être me faire un peu de minerai. Bon, passer dans la forêt, j'ai pas envie, mais. Parce qu'on les connaît les forêts. Hein. Ah, il y a des bandits là-haut. Ils sont juste là et je sais pas si c'est des. S'ils sont agressifs ou pas. Ah, c'est eux là-bas qui me poursuivent encore? Donc vous êtes sérieux, ils me viennent dessus?
Bon, ben, y a pas le choix, hein. Je vais me faire les petits déserteurs. Ils me viennent dessus. Ils ont parcouru toute la map. J'aurais jamais dû activer cette quête. Soif de liberté. Ah oui, galvanisation. Bon, ils sont neuf. Y a moyen, neuf. Neuf, on les retourne sans prendre trop de risques. On va éviter de mettre les cochons là parce qu'ils seraient capables d'aller se faire one shot. Je pense qu'on va se mettre les deux cochons ici. D'ailleurs, ceux d'en bas, on va les laisser monter. On va se faire ça comme ça, ça comme ça. Voilà. Ok, là, moi, j'y vais direct. Problème, c'est qu'en sortant de ce combat, je me fais agresser. Et on va très mal le vivre. J'ai les deux cochons. Sauf que j'ai beaucoup de membres blessés. Qui, du coup, vivraient mal un combat. Mais ils m'ont poursuivi sur toute la map. C'est hallucinant. Qu'ils me retrouvent comme ça tout le temps en boucle. Je trouve ça un peu dommage en fait. Qui tournent dans la zone à ma recherche, là où ils étaient au début. Mais là, c'est comme s'ils avaient un GPS en mode bip bip bip, je sais qu'il est par là. Prenez la première à gauche, hop, troisième sortie, il est là. Ce qui est un peu dommage. Comment on va gérer? Comment on va gérer? J'ai tout ça qui va m'arriver dessus. Ceux d'en bas, je les laisse m'arriver dessus. Parce que là, j'ai un lancier. J'ai un lancier aussi. Les renégats, c'est des lanciers. C'est ça, rupture de tendon. Inflige 21. Inflige du coup 65 à 85% de force. Dégâts à la cible et lui applique ralentissement pendant un round. Si elle est déjà affectée par ralentissement, on lui applique saignement. Mais voilà ce genre de lance. C'est ça que j'aimerais pouvoir fabriquer. Bon. Laurard, tu vas aller chercher ce lancier. Parce que du coup, un lancier derrière l'épéiste qui ne repousse pas. Oh là là, ça serait tellement merveilleux. Ah oui, toi, t'armes ton coup, ça va. Ah merde, c'est des artificiers. Du coup, faudra peut-être pas que je le laisse trop jouer, cela dit. Il y a lui qui va jouer et j'aimerais bien qu'il ne m'arrive pas dessus, donc je vais aller l'engager. Ok, ça c'est fait. Après. Il y a lui là-bas, je pourrais essayer de le sniper. C'était pas grave, hein. Je visais l'un des deux. J'allais dire garder mes points, mais j'ai à peine un point orange, donc non. Lui n'aurait pas d'intérêt. Je pourrais venir là, mais du coup je vais le désengager lui. Bon, c'est pas grave. Je vais générer un point. Voilà, on a du cochon qui tape. Ici. Ici, bah toi tu vas me servir à rien pour l'instant. Toi tu peux pas te dégager. Toi t'as besoin d'un petit cutting. Voilà. Rao, tu peux essayer de faire l'artificier avant qu'il ait envie de jouer. Parce qu'il y a ça aussi, hein, les artificiers, si je les laisse jouer, ça va faire mal. Voilà, toi c'est aussi fait. Saignement, ralentissement. Et oui, un duo comme ça, double lancier,
Damn. Ça fait mal. Toi, est-ce que tu viens en renfort? Tu peux venir en renfort. Ah oui, mais ils sont galvanisés s'il y a deux ennemis, c'est vrai, bêtise. On peut faire ça. Oh, toi t'es mort. Là, je vais quand même venir, tant pis si ça galvanise. Pour faire ça, je vais utiliser la bombe là-bas. Ça m'arrange de perdre le moins de gens possible. Toi, tu mettrais pas un petit coup de dague pour que ce soit réglé là. Et tu vas battre en retraite et surtout te séparer des autres parce qu'il y a un artificier qui est libre en bas. Là, il y a lui qui va jouer. Est-ce que je vais le chercher? Oh, je vais aller le chercher. Mais on sait qui va aller le chercher. Voilà. Je préfère assurer le coup plutôt qu'il joue encore et qu'il me fasse mal. On se sépare tous. Toi, bien évidemment, tu vas armer ton coup, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si je recule un tout petit peu, je te fais splash. Voilà. Ici, toi, tu peux l'achever. Ça, c'est bon. Oui, bien joué le cochon d'avoir bougé de la zone de foudre. J'espère que l'autre cochon va avoir la même idée. Ah non, 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 tu meurs pas, s'il te plaît, on vient à peine de te récupérer là. Je peux pas aller les chercher pour l'instant, faut que je les laisse jouer. Ah oui, sauf que les laisser jouer, ça m'arrange pas en fait. Ça ne m'arrange pas de les laisser jouer. Que c'est lui qui va jouer. Moi je génère des points. T'aurais pas le premier soin toi? Si, merci. On va espérer que cochon soit pas assez dedans. Le truc c'est que je peux pas aller les achever avant la fin du tour là. Ouais, j'irai pas, je peux juste avancer un peu, mais sans trop me rapprocher quand même. Pour repousser celui-là. Du coup, il lui restera que là pour tirer. Ah non, il va tirer peut-être là-bas. Ouais. Ouf! Le cochon était dedans, mais il a survécu. Ça tank un cochon. Je peux avoir du DPS là en bas? Wow, cette portée de déplacement en fait ça veut rien dire. Bam. Et bam.
Bon. Ce combat-là, plus géré. Celui qui suit va moins l'être. Alors déjà, on va tous se réparer. On récupère ça. Et je vais pouvoir soigner deux personnes. Qui ? Constitution réduite de moitié. Ah ouais, non. Faut pas déconner. Ne peut plus être choisi pour effectuer une activité. C'est pas grave, ça. C'est rien, ça. Aywin, dégâts subis doublés. Moi, cette unité ne peut plus infliger de coups critiques. Ça, c'est pas si pire. Constitution réduite de moitié. Non. Constitution réduite de moitié. Dégâts subis doublés. Ah, tant pis, hein, j'utilise le remède contre la peste, mais... Dégâts réduits de moitié. Hop là. L'aurare, c'était quoi? Constitution, non, on déconne pas. Toi, constitution, on déconne pas. Il me reste qu'un truc contre la peste. Moi, non, c'était pas grave. Et win. Voilà. L'archer, mais l'archer, avec un peu de chance, il se fait pas toucher. Les deux blessures qui restent, c'est pas si pire. Non, au secours. Bon. Eh ben écoutez, c'est sur ce suspense insoutenable que nous allons nous laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.